Kainga ima matamai ki te tala noa i te whiawhinei e kua whakapa apātu, mālo pe sakto kātaki. Ia koutou, ne hoki koutou mau mai ia te talanoa i te awhiawhia ni malo te kātaki, pia malo fuki pia mo te angatonu. Ko ia hangi pē ko taku whaha atu anāwhi lorotonga nei ia te waha kato ani e wharake koutou mamatamai pē koutou whangono mai i kāinga ki haku whelongoi pia mo te uwhae pē tamai e mā uuri i New Caledonia. Awhiawhia ni e tō whelawe iei pia mo te uwhae ani ko Yvette Dongini o FIP i te whaahio Maria Sosefo Drouet i te lea whakawharani ko te atona tupuanga ko te uhi kua nofo i a te uwhae ai ai Caledonia mo he hoha i te kua alu alu ke pūri i a te ungau e whakawhenua whakawhawhine a tātou o hange la ko te lalanga whala ko te hoha mo te tuani ai kua nofo ai i a te uwhae ani i kākatou amanaki mamata mai ki ai i tamatou whelongoi i te awhiawhi ani i te whaie o uvea pe amo futuna i Magenta. Ka e mua nei kainga, o haka tō mamata mai ki tamatou whelongoi, tō mamata ki te whinemuia ni ko Velonika tongi aki, ne e arulewa whaitana ki ito whato, ki te kainga o te whae ani ko Whalakika Whiakaifonu. Kainga ko tō mamata mai he ko te toka ala Māori. Kainga e mata mai te awhiawhi, whakapa apātu mālo takto kātaki. Hoko atu ai pē ia te kumi Māori ki te uwhaito o whakatātou pē tō whakatahi mo te whae ai ni ko Whania Whiakaifonu mai te kolo utufua o uhinga pē mo te whaito ai ni ki te vai ko te toka ala Māori. E tuku atu anai e te uwhaka mahino, he mahino mai mai te whae ai ni e na whakaaungai ia te akau ai ni ko mahino pē kā tātou tatau ko te niu, ka tāwhito ia te niu furuihenga. Ko i ana whakahoko aki ki te vai o te toka ala Māori, pe hoki tuku tonu atu pea nei, he uwhaka mahino o uhinga pea mo te whai to'o ai ni e te whae ko Whania Whiakaifonu. Ko te kumi Māori whoki o te ahonei Whania, kua te whakahoko mai ki te oloto whare, o uhinga pea mo te ki i vai ai ni ki te toka ala Māori, e mahino mai kua kaunga Maria nātou o mai kumi Māori mai ki ei. E whealaka ke tuku mai e hina uwhaka mahino o uhinga pea mo tau whai to'o ai ni. Te konga lewa ai a ke whehu i mai whewelo. Ko siki whai to o whoki, ne ka mata e taku whae. Ane ke saku whae pe whuki a nine na whai. Pe a kua whakao hau pe, pe a e au si oi pe te tana whai te ki whai to o. O whakao hau ai, ko taku pe whae. Pai matana kore kore mai pe aki au, kau kātaki, ko au anai, ka ana tuku mai, kau whai, te ki whai to'o ani. Kua fualoa Whania ia tau hi mai ia te whai to'o ani, ki te toka ala Māori? Ehi, neka si ki whai to'o, ne kua fualoa lewa, taku hu. He au si upe, tumuka whai, taku whae kake mā mālohi, o whakahau hau ai mu te vai vai taku whae, kua ngea pefuki kua au ana whai tan tū ki o tole mai tū ki vai, tana uki ma ae whai aki, te lau kaka, tana ki vai, kua au ia. Aki tana alewa whai, ko tāku pe whai. O su su e mai pe au, o whuka hau hau e musi i kua puri e tāku whai, pa kua au whai pe alewa. Ko te alewa i atu ki ikonga e aonga ki te whuka hau kofuki o tau vai e ni ki te toka ala Māori? Ko te ki vai lewa e ni o te toka ala Māori, e au ngā lewa ki ai te ki fu ni ui, pia mo te ki lau fuki ae, e tau hingwai fuki te whuka uwea ko te aka. Iu. E. Ai ni, mo tana ki lau kaka, o te niu, a te tūsi mai pē, ke kofu a ki fuki e te vai. Te vai. Pea e whewhea i lewa Whania ia tau mā ua, e ko te vai a ko ea ni ki te toka ala Māori, e au ngā fuki ki te Kristiano ai hau ki te oloto whare. Ia. Ki te konga lewa ai a velo, o hinga fuki mo te ki vai. E au whaka ura ki whaka inu fuki ki te maha ki ai hau. E tō tahi pē e tāna inu te Kristiano ai ia,
O fefe ele va fania ia tau ma ua foki, e lave ia tau faito oi te Cristiano ai hau kumi maori mai ki te olotu fale. Ki te konga le va aia ki te toka ala, ka hau haku he Cristiano ai kotona maha ki totonu anila au fai te toka ala. Pa eau fa peau, eau vevele ia peau, pa mau ilo usi peau ko taku maha ki. Pa ka au fa tua ki taku aia Cristiano. Tiki tapu pēa tāku ki whaito, aia ki te toka ala mauri, ko te paku. Pēma te tai pēa o te whike, aia pēa mre hona tai utapu. Pēa ko te whaito o la aini whania e ki whakahoko ki te toka ala mauri, e ke whaita tau pēa nā tau ko te haha ilalahi, pēa mā nā tau ko te whanau liriki. E tau whakata tau lewa pēa o te whaito o aini. Ko aini lewa ia ki te toka ala mauri, e fakata tau peta aku fai te vai ki te kihi tamariki pa mo te hahai lalahi. E ke tō tuku mai fuki e aonga pe mo te ki ilau a kau ani ko te aka, ko tōna uhi ngā whania e fai i hoa i te a kau ani? Ki taku lewa ani vai e mo re fai i hoa ia. E hoko tori mai peia e au tō nā ulau, ani peia mo te lau kaka o inu aki te fuu ni unu. E au mahalo whania kua katoa pē i a te uki i konga ne e whealaka ki tuku mai e uhinga pēmo tau whaito o ani ki te toka ala mauri. Pē na ai ai pē i a tahi ki i konga ki whia tuku mai mo whaka osi aki a te temi i palapala o tāua o uhinga pēmo tau whaito o ani ki te toka ala mauri. Ka tāku pē whakamahi nā tu velo o ngamu tāku ki whaito o whuki ani. Ka tāku whuki whaito ka ko hako maha ki e hau. Ia mua whuki sana hau. Ka whangonui whawhoi kos o ngā whatū e langa, ka e hifo whaka more aru ki te manawa, e hifo, kau mo te moitua, pea kātaki mai hako sāku ki toka ala mauri. Ka paula e langa ia o aruaka ki te manawa, maka whaka ea tuhina tahia ki toka ala hili manawa, heko te whaita ole whai aia, e tonia ki aru ki ta mahaki. E whakawhita e whakamālo atu whania i te aluanga pēo te tuku mai o te u whakamahino o hinga pēo mutau whaita o ane ki te toka ala mauri. Pea kai ngai mata mai te awhia whiko nai e te kātoa atu o te temi parapala o māua pēo mutau whae ane ko whania whia kai whonu e kua mā ofa pēo mutau ane atu. Whakamālo ki te whae ane ko whania whia kai whonu o whia i pē ki te potu ane o Veronica Tongiaki. Kāinga e te lakangane kua whakawhi e atu ko tō ke tau whulau ki te fuai e o vēmu whutuna e Magenta. Tō whakatahia i pēma te uwhae ani ko Yvette Dongini, pēma Maria Sose Fodroe Manuwhekai. Madame Yvette Dongini, bonsoir.
et bienvenue sur Télé Wallis et Futuna, la première. C'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir sur le plateau de Talanoa. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui nous admirent ce soir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, s'il vous plaît? Mahalo, Malia Nive, Kainga, Mahalo Sikataki. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Wallis et Futuna. Alors moi, c'est Madame Danguini Yvette. Je suis de Wengwa, une commune qui est à l'extrême nord du pays. Oui. Je suis collaboratrice au congrès du territoire. Mais encore? Je suis mère d'un garçon. J'ai 5 petits-enfants. Ce sont des petits-enfants qui sont métis. Mon fils est haïtien. Tout ceci pour dire que je suis heureuse d'être sur le plateau de Télé Wallis Futuna ce soir. Heureuse d'être accueillie par Télé Wallis et Futuna pour la promotion de la NATCAT. Alors, à votre droite, nous avons Madame Malia Sosefo Droué Manoufekaï. Bonsoir et merci beaucoup de votre contribution quant à la réalisation de cette émission. Et merci également d'avoir permis cet échange, surtout afin de mettre en lumière, bien sûr, ce projet autour de la natte Kanak et la natte océanienne en général. Maintenant, si vous le permettez, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Nivé. Bonsoir à tous, à tous les spectateurs qui nous regardent ce soir. Je vous présente donc mes respects. Je suis Malia Sosefo Droué Manoufekaï. Je suis maman de 5 enfants. Je suis aussi la vice-présidente de l'éveil océanien et je suis chargée de mission au cabinet de la présidence du Congrès. Vous avez une petite voix, Madame Droué Manoufekaï. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors, je reviens vers vous, Madame Yvette Danguini. Vous êtes très belle avec votre collier de fleurs. Merci, je suis très honorée. Alors, en quoi consiste vraiment ce projet autour de la natte aujourd'hui? Alors, le projet, il consiste en 2 choses. Oui. C'est la promotion et la protection de la natte Kanak et la sauvegarde du pandanus. Pourquoi? Y a-t-il une crainte quelque part? Oui, il y a une grande crainte pour nous, nous les femmes kanak, bon, je veux dire le peuple kanak, hein, parce que on parle d'ici d'un objet d'échange coutumier des kanak. Alors, nous n'avons plus beaucoup de tresseuses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société moderne fait que nos femmes travaillent, fait que les femmes ne sont plus à la maison. La modernisation, le changement de notre société, parce qu'on a eu plusieurs accords, on a eu plein de choses qui sont arrivées pour bouleverser notre société, on va dire ici, puisqu'on parle de la natte Kanak, notre société Kanak. Et plein de choses nous ont bouleversées dans nos façons de faire, dans notre civilisation. Et nous avons perdu la plantation du pandanus, mais aussi le tressage de la natte. Mais déjà, Madame Danguini, pour nous qui n'avons jamais vu la natte Kanak, elle est comment? Alors, je vous ai apporté ce soir une natte, une petite natte qui est une création de notre Sénat coutumier. Oui. Alors, cette natte, par exemple... C'est une création, ce n'est pas la traditionnelle. Non, c'est une création. Parce que nous n'avons qu'une seule natte, bon, 2, on va dire. Oui. La natte de coutume et la natte qu'on utilise tous les jours pour s'asseoir... mais celle-ci, c'est une création du Sénat coutumier qui a demandé à ce qu'on imagine au centre culturel Tibaou d'imaginer un objet qui pourrait être un objet d'échange pour les protocoles d'accueil. Et les femmes ont travaillé avec le CCT, avec le centre culturel Tibaou, et elles ont imaginé cette natte qui a été validée avec ses mensurations et qui aujourd'hui, elle est mise dans nos coutumes d'accueil. La natte de coutume, puisque la natte de coutume, c'est la deuxième natte, on va dire, elle lui ressemble, mais un peu plus longue. 1,50 m sur 80 cm ou 2 mètres. Mais c'est la même fabrication, c'est tout à fait pareil, mais celle-ci, elle est plus courte. 60 sur 40
c'est la natte de bonjour, celle qu'on utilise pour les protocoles d'accueil. D'accord. Donc, je pense que, qu'on peut la déplier. Je vais demander à notre technicien Caillot. Je pense qu'on peut, oui. Ça, on va le voir un petit peu. Ne serait-ce qu'une... On va prendre une petite partie, oui. Je vais t'aider. Voilà. Alors, cette natte, elle est petite. Elle a 60 sur 40 ou plus. Elle est... C'est la natte de bonjour. C'est la natte de bonjour. Mais la natte de coutume, elle lui ressemble, mais en plus grand. Alors, elle est sur 60 ou 40. Il faut qu'elle soit plus petite que la natte de coutume. Et elle se termine par une ficelle qui a été imaginée par les femmes aussi. Alors, cette ficelle, la symbolique, c'est... On vient aujourd'hui, dans le discours, de l'accueilli et de l'accueillant. On vient aujourd'hui parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. On vient, on vous dit bonjour, on vous demande la permission avec cette natte d'entrer chez vous et tout. Quand on aura terminé ce qu'on est venu faire aujourd'hui, ben là, les relations vont se continuer. Alors cette ficelle, c'est la symbolique de la... Du lien. Qu'on s'attache ensemble. Oui. Parce qu'on est venu faire quelque chose aujourd'hui. On est venu pour une raison. Et quand on aura terminé cette journée, alors ici, vous voyez, on laisse toujours des bouts de pandanus parce que oui. C'est la continuité dans nos relations. On attache ici, on fait un nœud et on laisse les terminaisons de la ficelle parce que ça signifie la continuité dans nos relations. Et cette natte aujourd'hui, elle est utilisée par tout le monde. Même les Wallisiens, quand ils vont en brousse, pour faire la coutume. Parce qu'elle est devenue nationale ici. Mais c'est une création. Voilà. Merci beaucoup, Madame Danguini. Mais quels sont vos objectifs visés? Alors, l'objectif de ce projet, c'est la promotion et la protection de la natte kanak. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, les kanak, on va acheter des nattes au magasin pour les mettre dans nos coutumes. Et c'est la raison de ce projet. C'est pouvoir éliminer ces nattes. Peut-être qu'on ne pourra pas, mais nous, on a cette conviction de pouvoir éliminer cette natte qui nous vient de très loin, la traverse des mers, pour être ici. Et nous, les canards, on va l'acheter pour la mettre dans nos coutumes. Et on veut en finir avec cette natte qui vient de l'extérieur. Alors, on a monté ce projet parce qu'on veut d'abord sauvegarder le pandanus, parce qu'il nous faut de la matière première pour tresser nos nattes et en tresser beaucoup pour en mettre dans nos coutumes. C'est ça la raison première. Dites-nous, Madame Maliasso Sefo-Droué Manoufekaï, pourquoi les femmes de la communauté wallisienne et futunienne est-elle dans le projet autour de la natte? Pour plusieurs raisons. Oui. Tout d'abord, dans le cadre du vivre ensemble et de construire ensemble voulu par l'accord de Nouméa, ce projet s'inscrit dans cet objectif et dans la perspective de destin partagé entre les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, la natte est un élément de nos coutumes, de nos cultures océaniennes. Elle naît d'un savoir-faire et représente au fait une valeur immatérielle et sociale. Parce que nous aussi, les femmes de la communauté, nous sommes confrontées au problème de l'importation des copies de nos objets. C'est pour ça que j'ai voulu saisir la main que m'a tendue Yvette Danguini pour qu'on soit ensemble, qu'on porte ensemble ce projet qu'elle travaille depuis 4 ans quand même. Et elle avait cette envie d'ouverture envers les autres communautés, envers les autres femmes océaniennes. Et c'est la raison pour laquelle je la remercie beaucoup de nous avoir ouvert cette porte pour qu'on vienne en fait, participer, on vienne nous associer à porter ensemble ce projet, parce que tout seul, tu vas très vite, mais ensemble, on va plus loin. L'autre raison aussi, c'est que
dans cette perspective de vouloir sauvegarder hein, notre patrimoine culturel. Ici, en Nouvelle-Calédonie, pour nos coutumes, on utilise les nattes qui sont confectionnées au fenouil et qu'on nous envoie pour pouvoir faire nos coutumes ici. Mais nous sommes dans la même crainte, oui. et nous sommes dans cette... comment dirais-je, dans cette façon de faire, c'est notre vie calédonienne, c'est... On va tous au magasin pour acheter maintenant les nattes balinaises pour recouvrir nos parterres, ouais. quand on reçoit du monde. Et que si on ne se réveille pas aujourd'hui, hein, si on ne prend pas les choses en main aujourd'hui, demain, quelle valeur donnerons-nous à nos coutumes? Et comment comptez-vous prendre en main cela? Planter comme Madame Donghini? C'est pour ça que le projet de Madame Donghini est important et très très intéressant pour nous. Parce que elle veut protéger, elle veut refaire vivre au fait le pandanus. Hein. Si le projet prend forme et si tous les responsables de ce pays prennent conscience de l'importance du projet, ils vont nous aider. Un, à mettre à disposition du foncier, des terres pour qu'on puisse planter. Parce que c'est en banalisant, c'est en plantant énormément de pandanus, en banalisant, qu'en fait, cette matière première qui nous manque à nous, les femmes wallisiennes et futuniennes ici, on aura cette matière première à portée de main pour pouvoir, nous aussi, sauvegarder cet élément de notre culture, quoi. Et ensuite, la transmettre. Madame Drouet Manoufekaï, pour les générations, pour ceux qui nous regardent ce soir, la communauté wallisienne et futunienne, ils ont combien de dates? Pour moi, il y a 5 sortes de nattes, oui. Je pense. Hein, mais je dois être là au minimum. Hein, je ne connais que 5 sortes de nattes. Il y a ce qu'on appelle chez nous le sapa-sapa, c'est-à-dire c'est un petit peu... l'équivalent de la natte de bonjour, hein, chez nous, mais elle est un peu plus longue. En fait, c'est la même largeur. Nous avons aussi ce qu'on appelle chez nous le falalaufa, qui correspond à la natte de coutume chez les Kanak. Après, nous avons la natte futunienne, bien sûr, et on est justement sur une natte futunienne. J'ai identifié, bien sûr, la natte de Hiifo, parce que... les talents divergent selon le territoire. Donc il y a la natte de Hiifo et après il y a la natte qu'on appelle Falalaukie. Falalaukie, c'est cette natte qu'on double hein, de deux sortes de pandanus. Et c'est ce qui donne au fait nos nattes couleurs. Et là, on fait aussi la différence entre la petite et celle... qui a une valeur plus importante qu'on appelle, bien sûr, le falapati que nous avons derrière nous. J'aimerais compléter ce qu'a dit Marie-Jo sur cette relation, le pourquoi on les a invités à ce travail. En fait, vous n'avez pas invité que la communauté wallisienne, vous oui. avez invité toutes les communautés. Voilà, alors on a invité la communauté wallisienne et futunienne, les Vanuatais, les Vanuataises. Mmh. On a été voir les femmes des îles australes et de Rurutu. On ira voir la communauté fidjienne qui est ici sur le pays. La réflexion, c'est l'esprit, c'est de dire que nous utilisons un même objet avec plusieurs façons de l'utiliser. Elle s'habille avec, elle danse avec. Nous l'utilisons comme coutume. Les Vanuatais, elles ont une autre façon d'utiliser. Les Tahitiennes, elles ont... L'idée, c'est que la natte Kanak, elle ne reste pas une natte qui soit fermée, mais que ce soit une natte qui est ouverte à toutes les autres communautés, qui accueille les autres communautés dans sa symbolique. Elle accueille toutes les autres communautés. Elle est le pilier de la case et toutes les autres communautés à son tour, puisque c'est nous qui les accueillons dans notre pays. Et c'est dire aussi qu'on ne les oublie pas, parce que nous sommes dans la construction d'un pays. On ne les oublie pas. Et nous sommes sur un objet culturel qui est commun à l'Océanie. Pourquoi pas faire que chacun a ses savoirs,
me concentrer pour préserver et transmettre ces savoirs. Et comment comptez-vous justement transmettre ou, je ne sais pas comment il faut dire, mais pour que les femmes, les mélanésiennes, puissent se réapproprier ce savoir-faire, voilà. Surtout pour les générations oui, futures. Alors pour dire aussi que tous les enfants des autres communautés qui naissent ici, qui sont nés ici, nous avons tous le même problème. Ces enfants-là, on ne leur a pas appris à tresser. Oui. C'est une deux ou vous trois générations. Cela, comme... Madame Drouet. Voilà. C'est oui, deux ou trois générations qui ne savent pas tresser, comme nous, les Kanaks. Alors, nous, ce qu'on voulait mettre en place... Alors, parce que nous, les Kanaks, bon, la communauté aussi, on va au magasin quand il y a nos coutumes pour acheter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a déposé un projet de loi pour interdire l'importation des copies des œuvres d'art kanak, et la natte en fait partie. Après, on pourra, avec les autres communautés et les autorités compétentes, voir comment on peut faire avec les autres communautés. Mais aujourd'hui, nous sommes sur ça, sur le dépôt d'un projet de loi pour interdire l'importation des copies des œuvres d'art kanak, et nous sommes sur ça aujourd'hui. Mais on verra comment on fera pour les autres. Après, nous sommes sur un travail de création d'un diplôme ou d'une compétence pour que les femmes puissent avoir accès à un certificat ou un diplôme, on va dire comme ça. Ici, on l'appelle un certificat de compétence essentielle pour que les femmes puissent aller dans les écoles pour transmettre, aller dans les associations, mais qu'on puisse banaliser, mais aussi que les femmes soient reconnues et que ce savoir-faire soit reconnu. Que nos femmes tresseuses soient reconnues et que ce savoir-faire soit reconnu et protégé. Voilà. Alors, après, nous parlerons de formation, mais il faut d'abord trouver les outils qu'il faut. Comment on fait? Puisque aujourd'hui, tous nos enfants ne savent pas tresser. Alors, on se met ensemble, nous, les femmes. Alors, les Wallisiennes, elles apprendront à tresser leur natte. Nous, on apprendra à tresser notre natte. Les Vanuatuises, elles apprendront à tresser leur natte. Parce que c'est ça, c'est chacun voit ici, en Calédonie, comment on fait avec notre culture. Et aussi parce que la natte kanak, elle part pour disparaître, tandis que les autres communautés, dans leur pays, leur natte existe. C'est un peu ça. Et on leur demande cette aide, de nous aider à nous porter, nous les femmes kanak, et à porter notre natte pour impulser, parce qu'aujourd'hui, on est sur un travail de prise de conscience. Que toutes les nattes vont se perdre si on ne fait rien ici. Et puis, la protection de la matière première. Je reviens je rebondis sur l'intervention de Mme Danguini, notamment quand elle parle d'un projet de loi du pays qui est en cours pour protéger, en fait, les objets d'art kanak et notamment la natte. C'est justement pour ça que, quand elle est venue me vendre son projet, j'ai tout de suite adhéré. Hein. Pourquoi? Parce que ce qui nous a manqué jusque-là, c'est un encadrement juridique. C'est encadré juridiquement et c'est nos savoir-faire, faire en sorte que ça ne soit pas banalisé, au fait, par... tout ce qui arrive de Chine. Parce qu'en banalisant ces objets qui font notre fierté de nos cultures, on va banaliser aussi nos coutumes, mais c'est le moyen rapide, en fait, de faire disparaître ce qui nous est cher aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai sauté sur l'occasion, parce que, Nivet, tu vois bien, quand tu rentres dans les commerces chinois, ils nous vendent nos kofolotos, ils nous vendent nos broderies, ils font des copies, au fait, de tout ça, qu'ils nous vendent, ils banalisent. Et qui sont les premières à aller acheter? C'est nous. Alors, l'intérêt pour nous de nous être associés à ce projet, c'est justement faire en sorte qu'on leur dise stop. Hein? Qu'on labellise nos produits et qu'on dise... La tenue Kofuloto des Wallisiens et des Futuniens, nous aussi, nous avons des artisanes. Nous aussi, nous avons des femmes avec des talents qu'il faut mettre en lumière. Parce que
On va acheter chez le chinois, mais lui, il ne fait que pour nous. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne le porte pas. Elle ne le porte pas, nos tenues. Elle n'utilise pas nos draps brodés. Ce n'est pas tard, madame Rouet. Il vaut mieux tard que jamais, Nivé. Il faut bien qu'il y ait une prise de conscience. Et madame Danguini, avec son projet, nous fait prendre conscience qu'au fait, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Il est vrai qu'on parle de transmission, mais en même temps, nos enfants ne sont plus que sur les tablettes et puis les téléphones portables. C'est vrai. Il va bien falloir les intéresser. Il va bien falloir qu'on redouble d'efforts et de vigilance pour essayer de détourner l'attention des enfants vers ce qui est vrai, vers ce qui est authentique. Mais il y a une crainte aujourd'hui. Je dirais, on veut faire la prise de conscience pour dire... Quand on a nos cérémonies coutumières, mais on n'a pas à aller au magasin. Il faut aller dans la case. Pour nous, on va dans la case, on va chercher la natte, on va chercher comme la monnaie canac. Aujourd'hui, quand il y a une cérémonie coutumière, ben, on monte dans les voitures, on va dans les magasins chinois. Il y a une grande crainte là. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde va au magasin, mais ne va plus dans la case pour aller chercher la natte et la monnaie canac? Puisque aussi les Chinois vendent nos monnaies canac, vendent aussi cette natte de bourgeois. Alors, il faudrait qu'à un moment on mette un terme à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans nos cérémonies coutumières, je vais dire comme ça, et je l'assume, tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Et c'est un constat que l'on fait, mais on ne fait rien pour... Parce qu'il ne s'agit pas seulement de constater. Il faut constater et mettre en place des choses. Alors nous, ça fait 5 ans qu'on est sur ça, que je suis sur ça en parlant de moi. Et aujourd'hui, parce que je suis collaboratrice au Congrès, je monte d'un cran pour pouvoir qu'on puisse proposer une loi. Parce que c'est en faisant des lois qu'on peut y arriver. Parce qu'on pourra crier toutes les misères du monde s'il n'y a pas de loi pour cadrer. On ne peut rien. Et ben voilà, c'est la raison pour laquelle on a invité les autres. On a invité les autres femmes à regarder ce problème, à le regarder en face. Parce que c'est un problème de société pour nous. Et aujourd'hui, on a aussi nos métissages. Par exemple, moi, j'ai mes 3 nièces qui sont mariées à 2 Futuniens et à 1 Wallisien. Alors, les nattes wallisiennes, quand nos beaux-fils nous font la coutume, on prend les nattes wallisiennes, puisque c'est la coutume. Mais nous aussi, il faut qu'on donne des nattes. Alors, on va acheter au magasin pour donner les nattes. Je veux dire, de toute façon, ce pays est appelé à vivre tous les métissages. Moi, j'ai 3 nièces et 1 neveu qui sont mariés avec des filles, des autres, des garçons des autres communautés. C'est toutes ces relations-là aussi, à travers ce travail de la natte. Et la symbolique de la natte, de toutes ces nattes dont on parle, c'est les mailles qui s'entrefilent pour former une seule natte, sur laquelle on est assise, sur laquelle on pose des paroles pendant nos cérémonies coutumières. Elles se ressemblent, nos coutumes. Mais nous les vivons de notre façon. Et la relation avec la natte, elle est un peu différente. Mais dans la symbolique, c'est toutes pareilles. Madame Drouet, comme vous êtes très active dans la coutume, alors comment elle est la cérémonie coutumière ici en Nouvelle-Calédonie? Ben, la cérémonie coutumière ici, on la fait maintenant un petit peu à notre sauce. Hein. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que là, je reste dans le domaine de la femme. Les nattes que nous présentons, donc, quand on va faire la coutume, ce sont bien les nattes qu'on reçoit de nos familles. De Wallis. Ce sont des nattes qui sont donc tressées au fénois et qui nous sont envoyées ici. Mais aussi... Quand il s'agit, par exemple, des communions et des mariages, nous faisons comme les Kanaks. C'est-à-dire que nous allons dans les commerces chinois, oui, et nous allons acheter les draps brodés, les thés brodés, les couvertures des Chinois, parce que les Chinois connaissent nos besoins. Oui. Et donc, ils vont commander, ils vont imiter ce que nous voulons. Nous voulons des couvertures qui brillent, et tout ça, par facilité, comme dit Yvette,
on se précipite chez le chinois. Et il y a autre chose, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'elles sont plus accessibles parce qu'elles sont moins chères. Donc c'est à la portée de tout le monde. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect qu'il faudra voir à la longue dans le cadre de notre projet. C'est comment faire pour que cette natte rivalise avec la natte qui est importée. Parce que la natte aujourd'hui, celle qui est importée de l'extérieur, la natte du bonjour, comme dit Yvette, je crois que dans les magasins chinois, elle est à 1500, oui. 1500 francs. Admettons que nous, on se dise, oui, on ne veut plus de cette natte, on va se mettre, nous aussi, à planter, à sécher et à tresser. Pour le commercialiser, à quel prix? Oui, il y a ça aussi. Ce sont des paramètres qu'il faut qu'on prenne en compte, nous, aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on soit capable, à terme, de vraiment rivaliser avec ces copies qui nous arrivent de l'extérieur et les exterminer complètement. Donc vous avez déjà une petite idée. Ben, on rejoint tout à fait on rejoint le projet parce que comme je disais tout à l'heure, si on plante le pandanus, imaginez toute cette terre calédonienne avec des plantations de pandanus de Belep jusqu'à Ayaté. Nous aurons, les femmes, nous aurons cette matière première à portée de main. Il va juste falloir le courage pour tresser un maximum de nattes, mais pour pouvoir faire face à nos coutumes, à nos besoins. Alors, pour compléter ce que dit Madame Drouet, c'est que nous sommes à la 16e réunion de terrain. On n'en a pas encore terminé. Mais dans ces réunions, on demande, parce que par exemple hier, j'étais à l'écomusée de Vaud, qui est un genre de petit centre culturel, c'est un endroit où on transmet des savoirs. Et là, était là le chef de la tribu, puisque l'écomusée de Vaud se situe dans une tribu. Et quand je présentais le projet, il y a un slide où on dit, une des solutions, c'est demander aux coutumiers de nous céder du foncier, pour la plantation. Alors, on est en arrivé là. On a été au Sénat coutumier avec Marie-Jo et les autres femmes pour leur dire ça. Nous avons besoin de foncier pour planter parce que c'est ça l'essentiel. De matière première avant tout. Et après, on pourra parler de la transmission. Mais nous avons besoin de foncier pour planter beaucoup de pandanus. Et quand on aura planté, par exemple, partout où on va, on leur demande de planter. Alors, si par exemple, dans un endroit, on arrive, on leur dit, vous plantez, on revient, c'est un mois après, ils nous disent, on a planté 500 pieds de pandanus et il y a 20 tresseuses confirmées. C'est sur ça qu'on met le projet, comme ce que va faire Marie-Jo dans sa communauté. Donc, si j'écoute bien, si je vous ai bien écouté, vous projetez alors d'être ensemble toutes les communautés et la femme wallisienne va former la femme kanak sur sa natte, vice-versa, c'est la même chose aussi On n'a pas discuté de ça. On n'a pas discuté de ça, parce que, comment dirais-je, la natte kanak est le centre du projet. Hein. Les autres nattes vont venir se greffer au projet de la natte kanak, puisque si on considère que c'est un élément culturel important et qu'il convient de sauvegarder, on va se retrouver tous ensemble dans ce projet. Cela dit, je pense qu'il sera quand même plus judicieux ou plus pertinent que chaque communauté garde son savoir et garde l'authenticité de ses techniques de tressage. Et on pourra identifier facilement à terme. Hein, je pense que je rêve déjà d'aller dans un magasin ou une coopérative ou toutes les coopératives qui vont se multiplier donc au centre-ville. Je rentrerai dans un magasin où je pourrai identifier ça c'est la natte des femmes australes, ça c'est la natte vanoitaise, celle-là c'est la natte peut-être des femmes de Ponérewa, parce que je rêve que d'ici là,
La natte Kanak aura fait des petits, c'est-à-dire que les femmes de l'ère coutumière de Haute Mawap, par exemple, auront leur natte qui leur ressemble. La natte des femmes de Lifou, pareil. Et la natte des femmes de Yaté auront peut-être quelque chose qui va faire que on va vouloir se précipiter pour acheter la femme des femmes de Yaté, parce que je pense que dans le tressage, non seulement on va mettre en lumière des talents, mais en même temps on va laisser libre cours à la créativité des femmes. Voilà. Alors, il nous reste qu'une toute petite minute. Alors, pour terminer, Madame Danguini, je suppose que vous avez un souhait à nous formuler. Alors, le souhait va s'adresser aux coutumiers, parce qu'on parle ici d'un objet d'échange. Que ce soit chez nous, que ce soit à la communauté wallisienne, chez les femmes du Vanuatu, chez les Tahitiennes, on parle tous d'un objet d'échange coutumier. Alors, le souhait ou bien l'appel que je vais lancer, ce sera envers les coutumiers. Alors, l'appel aux coutumiers d'ici, les coutumiers Kanak, c'est celui de nous céder du foncier, de céder du foncier à des gens qui veulent planter en quantité. Que ce soit des hommes, que ce soit des associations, que ce soit une femme seule, que ce soit une association de femmes, mais céder du foncier. Parce que quand les vieux auront cédé du foncier, ça veut dire qu'ils auront compris le message et qu'ils prennent en compte ce travail. Mais aussi aux coutumiers de Wallis et Futuna, nous serons heureux quand on apprendra que vous soutenez ce projet autour de la natte Kanak, mais que la natte Kanak, elle accueille la natte wallisienne, elle accueille la natte vanuatuise, elle accueille la natte de Tahitienne. C'est pour vous dire l'engouement l'engouement qu'on a pour ce travail, que nous les femmes, on se mette ensemble, mais que vous, les coutumiers, vous nous aidez. Alors, je parle aux coutumiers d'ici et aux coutumiers de Wallis et Futuna, parce que nous sommes dans la même configuration. Oui. Les Vanuatuises, leur pays est indépendant, c'est autre chose. Mais nous, on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble et on vous lance l'appel de nous soutenir sur ce projet de NAT, l'objet culturel par excellence pour nous tous. Merci beaucoup, Madame Danguini. Alors, pour terminer, Madame Drouet. Si j'avais un petit message à faire passer, c'est à l'adresse donc des compatriotes de la communauté wallisienne et futunienne. À toutes les femmes, en fait, qui sont tresseuses, à toutes ces femmes qui ont de l'or dans les mains, mais qu'elles n'arrivent pas à valoriser aujourd'hui. Venez nous rejoindre dans ce projet, parce que c'est le moment ou jamais. Je dirais même que les étoiles se sont alignées pour faire en sorte qu'au fait, on se retrouve dans ce projet de la natte, qui va lier nos destins et qui va lier aussi des savoir-faire de la communauté wallisienne aux autres communautés, mais aussi de nous rejoindre parce que nous avons aujourd'hui une super opportunité. Nous avons aujourd'hui des enfants qui sont dans les institutions, qui vont nous aider à porter au niveau de projet de loi, au niveau de projet de délibération, à porter et à encadrer en fait, les savoir-faire autour de la natte, comme autour de tous les objets de la culture wallisienne et futunienne. Caillou se joint à moi pour vous remercier de votre présence ce soir, Madame Danguini et Madame Melsosé-Faudroué. Nous vous remercions. Merci Nivé. Kainga kuto to fuki mai leva ki vene i te lakanga ni to fiefia mot fo me la kalaka a te palokia ni o hi fo ne tai te ta ulua fe hon formatoru.
Ko te ai e te utu ni mo hawhaki tātou mai te mahaki ani ko te sida kāinga tō Manatūi. Un collège pour jeunes filles et une salle d'études présentaient hier soir à Sofala le visage traditionnel d'un rassemblement d'écoles. Un décor classique pour un objectif qui l'est moins, la sensibilisation aux problèmes du sida. Le sida, un mot qui fait peur.
Pour Malia Pellelina, responsable de l'internat, le sida est un gros problème. Il faut en parler avant qu'il ne nous tombe dessus. Une maladie qu'elle connaît très bien pour avoir vécu 6 ans en Afrique, au Rwanda. Sida, le mot est lâché. Faut-il en avoir peur? Mais l'important est donc de lever les tabous. Le territoire est petit, il faut donc l'expliquer aux gens avec des mots simples. Comment prévenir le sida? Comment être prévenu et comment lutter contre, ajoute Madame Chihan, l'animatrice de la soirée. Je sais qu'il y a beaucoup de tabous culturels et religieux à respecter. Et c'est pour ça que notre rôle, c'est de soutenir les efforts des éducatrices sanitaires comme Cathy et les organisations non gouvernementales, les groupes de femmes, les églises qui veulent faire la prévention, qui veut informer les gens. C'est notre rôle de les assister avec des subventions, la formation des fois et des matériels. Normalement, ce n'est pas d'intervenir, de parler directement dans le pays. Mais comment faire passer le message? Pour Mme Chihan et Cathy, l'important est de dire aux jeunes que le sida peut toucher n'importe qui et en particulier ceux qui ont des rapports sexuels sans prendre de précautions. Combattre, lever les tabous pour dire les choses correctement. Vaste programme. Pour l'heure, l'hygiène de la vie et l'hygiène alimentaire sont des vecteurs fondamentaux de la santé. Aussi, l'école constitue-t-elle un terrain d'éducation sanitaire particulièrement favorable. À nos héros du quotidien fait partie des chansons très likées sur YouTube. Regardez. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes m'ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route.
Kainga frafita ia tu tata tofi ma mata mai ite fiasiani ko mata tau ine pa mo ofat hoki to frata pe lait fleni ma.